Ouais les gars, du coup petite vidéo assez drôle et pas méchante, hein. J'espère que le joueur d'en face le prendra pas mal parce que c'est juste rigolo. C'est juste satirique. Donc bon, juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un petit truc. Il y en a pour 1 minute, même pas. En gros, j'ai déjà parlé de temps en temps dans des vidéos, même sur des posts et tout, que je faisais du son à côté, avec des potes. Et du coup, bah, pour commencer, je vous partage la chaîne d'un pote avec qui on fait des prods. Et avec qui on va aussi poster des sons plus tard, genre des vrais sons où on va poser et tout. Donc il y aura également, tu sais, la chaîne SoundCloud et tout. Donc vous avez juste à taper LDC Type Beat. Et donc voilà, là bon là c'est que du... C'est uniquement des prods actuellement qu'il y a dessus. Donc ouais, si vous, jamais vous êtes chaud pour donner de la support, je pense que vous êtes assez bienveillant quand même. J'ai beaucoup réfléchi avant de mélanger, tu sais, genre un peu les projets IRL et les projets de Dofus, tout ça. Genre de jeux vidéo. Mais en réalité, je pense que vous êtes assez bienveillant. Donc, si vous voulez donner de la force, vous avez juste à vous abonner. Et ça serait cool que mon pote, en fait, il monte à 1000 abonnés. Parce qu'on pourrait commencer à monétiser, en fait. Surtout lui. Et du coup, en fait, ça lui permettrait d'évoluer. Tu sais, genre là, tu vois, ça fait des vues. Et en réalité, s'il peut pas se payer de matos, c'est un peu chiant. Enfin, genre. Ça serait cool que tout travail soit rentable à côté. Donc, voilà. Bon, je vais pas en parler plus que ça. Ça fait déjà une minute. En tout cas, voilà, si vous voulez donner de la support, si vous voulez me suivre sur d'autres trucs à côté et tout, bah, je vous conseille de vous abonner. Et merci beaucoup les gars, en tout cas, pour la support, si jamais vous en donnez et tout. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Je mets la chaîne directement même en description, comme ça, si vous avez la flemme d'aller chercher. Voilà, du coup, bah, bisous les gars. Et je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Votre voyage Non, là, parce que ça m'a au surpris Costa peut-être que ce Rica. soit win. On va les Non, tirer au néant. T'inquiète, on reparle après, mec. Au pire, vous dites des petits mots d'amour, hein, c'est sur le côté. Ok. Parce que là, on est contre libéré et délivré. Donc, tu vois. Donc, Libéré, mais ok, il part en fond de map, il part en fond de map. Il met des Libéré, ah, pièges. t'inquiète, je connais, hein. Il met des C'est pour mieux pièges. revenir, c'est pour mieux revenir. Ouais. J'ai fait une dédicace. Il prend que le tacheté, ok. So. Le tour était technique. Ok, attends. Alors attends, là, ça va être technique, là, les gars. Go. Aveugle-le, vas-y. Attendez, s'il vous plaît. En fait, il faudrait pas que je prenne de piège là. Normalement, il met pas de piège ici. Tu vois, genre, c'est pas possible. Ok. Donc là, en faisant ça, après, j'ai la poussière. Ça peut être lourd. Hein. Carré. Et puis après, du coup, hop. Voilà. Bon, c'était pas le meilleur tour à faire, mais au moins ça lui met une pression, tu vois. Et puis j'ai mon Pritec, prochain j'ai mon Dococo, donc si. Oh, je préfère qu'il me tape là, tant que j'ai des items défensifs, plutôt Ouais, que. ouais. Tu sais, t'as compris? En vrai, Bah, c'est même en mieux, hein. AP, au rayon, hein, regarde ses raisins. Ouais. Ok. Même les res air, gros. Ouais, ok, il a peur, il a peur. Wesh. Bon. Full fuyard quand même. Bah après c'est un SRAM hein. Avec un peu de chance il y avait un répu ici. Non, il n'y avait pas mais il était où alors? Question, il n'y aura pas de réponse. Bon, ah mais il a mis des reste-feu. Bouclier. On va faire ça et on va se rembourser alors. Vu qu'on a l'érosion maintenant on va pas rigoler. Donc là je prends mon Dococo, nickel, je suis full life, donc son tour a servi à rien. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il dit. Moi franchement à sa place. Scélérat, coup sournois sur synchro et piège funeste, ça serait pas dégueu. Mais non, ça va baguette un vie. Pandamonium. 7 PM. Faut tenir ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Soleil. 1, ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc du coup. De là, théoriquement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Avec un peu de chance, il est peut-être là. Là. Ou ici. Ok, il est pas là. Oh non, il m'a brain. Bah, du coup, Il c'est est pas grave. parti vers la gauche, hein. Ouais, mais c'est pas grave du coup. On va récupérer des PA pour le prochain. Ça. Ah merde! Oh! Oh le brain! Oh mon Oh! Dieu! Il Oh m'a le brain! piège! Mec, Le il avait piège! tout calculé. T1, il avait calculé que j'allais faire ça.
J'ai jamais vu un mec aussi bon de ma vie, gros. Je vous jure. J'ai jamais vu un mec à un QI aussi haut dans le jeu. Attends, je veux dire, je t'admire. Apprends-moi. Tu es le dieu de ce monde. Le dieu SRAM. Mon dieu, comment il a pu calculer ça? Les mecs, il est trop fort. Je vous jure, les mecs, ce mec est trop fort. Ce mec est beaucoup trop fort. T'inquiète, il t'a tapé du 150. Z d'une force. T'inquiète, il t'a tapé. Je suis juste un SRAM. En plus, il est modeste. En plus, un mec est modeste. Moi, 120. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Je pense que, franchement, voilà, libéré, délivré, si tu regardes cette vidéo, mec, t'as toutes mes félicitations, franchement, tout mon respect. Je suis jamais tombé sur un adversaire aussi bon dans le jeu actuellement. Aussi redoutable. Aussi redoutable, aussi prévoyant, vraiment. On sent que le mec a un Death Note IRL. Genre, on sent, tu vois, il y a un truc, tu vois, genre... Putain. Gros, il a un Sharingan IRL, il a oui. Calculé tout. Oh, le move en plus. Ouais. Le move, c'est pour les suppressions, gros. C'est pour les suppressions. C'est pour les suppressions. je sais plus où est la suppression là. T'inquiète, il a fait gélure, il a fait gélure. RS. Putain, ce joueur est incroyable, hein. Vraiment. Hein. Ah, gros, ça rigole pas. Hein. Franchement, heureusement, je joue Xelor. Parce que sinon, franchement. Je... Ouais, franchement, je vois pas comment c'est je. Bon, fini, hein. Je pourrais le gagner, genre. Et là j'ai peur, hein. S'il faut, il a calculé un truc encore. Vas-y, tu vas gagner. S'il faut, il y a un piège sur la caouette, là. En dessous de la caouette, il y a un piège, tu vas... Arrête, tu vas me stresser, frérot, arrête. Ok. Carré. Ok. Attends, là c'est chaud, les gars. Ok. Le coco. Ah, gros. Putain, fait mal la baguette. Aïe. Oh, il s'est fausse comme une douce seule. Hein. Très bizarre hein, ce combat, l'ambiance. Non, mais je crois que vous avez mal vu, il y avait l'ivoire sur le complice. Très bizarre. Arrête. Ah, j'ai mal au ventre, c'est drôle. Oh putain. Oh attends, le piège tourne là. Je le sens pas. Il calcule. Oh, pandemonium. Oh. Mec, attends, il joue trop vite. Je sais pas, il a fait quoi là. Attends. 3, putain, 4. Merde. Tu vois pas. Putain, même son arac, t'as dopé, hein. C'est quoi cette stratégie du mal? Oh putain! Oh. Il a encore calculé des choses. Non, il a calculé ça! Oh. Ah. Oh non! Oh! EZ, EZ. Le malaise. Attendez, les gars, attendez, là, je suis pas sûr que tu viens à mon tour. Hein. Oh putain. Tu vas jamais le finir. J'ai mis les animes, hein. C'est chaud là. Attends. J'enlève les animes pour vous dire à quel point le mec est chaud. Ah, concentration de chaque. J'ai pas eu le temps de jouer, Oh non, oh j'ai peur. Oh j'ai très peur, j'ai très peur. Oh. Putain, il s'est recon ça. Et il prend son tacheté surtout. Il prend son tacheté. Tout est calculé. Il avait calculé le tacheté en me tapant, tu sais, dans son tour. Gros. What the fuck. Comment est-ce qu'il est aussi bon? Non, et franchement, le mec est bon parce qu'il a réussi à calculer le fait que j'allais terminer à côté pour me mettre ce réseau en fait 3 tours à l'avance. C'est trop. Il est trop puissant. Hein. Non, franchement, on trash souvent, tu vois. Mais les joueurs aussi bons, il faut le dire. Franchement, faut le dire. Quand il y a des joueurs aussi bons et tout, faut le dire. Genre. Gros respect. Hein. Oh putain, il avait calculé l'aracne, il avait tapé l'aracne. L'aracne va te déprendre. Putain. Il avait pré-shot l'aracne. Attends, c'est quoi ce nouveau calcul là? Pourquoi il a posé un double? Attends. Là je reconnais, il calcule le T21 là. C'est le tour 21. Le tour 21. Les mecs, j'ai peur là. Putain, attends.
Parce que là déjà l'Arachne va pouvoir aller taper du coup à cause du dérive, c'est OP hein. Attends. Est-ce que ouais du coup l'Arachne... Oh non il a... Oh Ouf Le move. Oi. Tu vois, si ton Arachne avait pu faire son tour normalement, il aurait pas pu faire ça. Exactement, ouais, tu vois, et c'est pour ça genre que il faut pas sous-coter ce genre de joueur, tu vois. Faut pas sous-coter ce genre d'anticipation. Tant d'anticipation. L'anticipation est anticipée. Les mecs, j'ai peur là, je vais me faire tour shot. Ah bah gros. Oh putain, elle avait calculé. Attends, la fausse commune. Attends. Ok, non. Baguette. Kawhi. Extension baguette. Le move. Pandamonium. Waouh. Non, 700. Je peux pas gagner. Hein. Arrête, Les mecs, je crois que je peux pas gagner. Hein. C'est fini là. Le mec est beaucoup trop fort. Il a un scintille. Il a un scintille. Malaise. Chacun fait comment pour gagner là? Bah, je sais plus. Hein. Chacun, je suis perdu. On est face au boss final là, je pense. Ok. Bon, franchement, je tryhard, je suis à 3000%. J'ai jamais été comme ça contre. Franchement, dope et tout, ils ont beaucoup à prendre, je pense. Notre joueur. Petite bite. Attends, il y a un sournois là. Ouais, attends, il a quelqu'un sournois, il a quelqu'un dérive, un répu. Peut-être de finesse, Ouais. Il calcule tellement de choses. Mec, il calcule tellement de choses là, c'est incroyable, attends. Ok, attends. Là, si je fais ça, attaque, ok. Putain, le calcul. Hein. Ouais, les mecs, j'ai peur là. Attends. Putain, je suis sûr. Ah, il avait calculé. Il avait calculé. Putain, fais chier quoi. Oh. Merde. Trop de calcul. Fort, hein. Fort les calculs. Comment je fais moi maintenant? Et là, je peux pas. Oh. Je peux rien faire, gros. Il calcule tout. Gros, maintenant t'as pas pu finir sur le Gif Kavot et t'as été obligé de proc synchro, de proc croco sur ta synchro. Mais oui, là, tu vois. Alors que sinon j'aurais pu, tu vois. Putain, il va refaire le même calcul. Oh non. Mais il a pas le droit de faire ça! Gros! C'est trop! Hein. C'est trop! Putain! Il voit tellement de choses en fait! Mais ce mec est beaucoup trop chaud hein! Attends! Non, il n'y avait pas de sournois ici! Oh! C'est ça, c'est pour te faire perdre du temps! Oh, il a réussi à calculer ça aussi! Vite! La survie! Putain! Oh, mais... Oh, ça me termine! J'en ai marre, hein! Ça, alors! Oh non, le rush! Oh non! L'invie! Il avait calculé le rush retour! Ok, répu, c'est le rat, répu! Sournois! Déclenché! Piège funeste! Ok, attends, là, c'est chaud! Attends, si j'étais un bon SRAM, qu'est-ce que je ferais? Ok, attends. Non, mais lui, c'est pas un bon SRAM, c'est un SRAM incroyable. Ouais, ça. Ok. Ok, attends. Je pense qu'il a calculé le retour de la. Ok, non, ça va. Il a pas. Peut-être qu'il a calculé pour plus tard. Peut-être pour plus tard. Peut-être calculer l'aller après le retour, mais pas le retour, okay. Genre. Enfin. Ok. Il a calculé le chaffer. Ouais, je pense qu'il a calculé le chaffer. Full avec le rollback aussi, attention. À prendre au sérieux. Ah. Ok, il a 5 PM. Attends. Ok. Ouf. Attends, hein. Il a pas calculé TP. Si, il a calculé. Ouf. Ah, il voit flou là. Oh putain, calculé. Oh, il avait calculé ça. Il avait calculé. J'ai calculé plus loin que lui. Il avait pas calculé la synchro, tu vois. Il avait pas calculé. Je pense qu'il a oublié le fait que je récupérais le cooldown 3 tours après du flou, en fait.
Et que grâce au tu sais, genre, je pense qu'il a mal calculé le cooldown du flou, tu vois. Non, c'est sûr ça. Genre, je pense, tu vois, il est en train de calculer le cooldown du flou, il a fait putain, je me suis raté. Et tu sais, genre, il avait envie de dire GG dans le chat, mais il s'est dit, je pense que je vois trop loin pour lui, tu vois. Et genre. Ouais. Gros, pourtant. Là, ça se jouait 10 tours en avance. Genre, ouais, ouais. En fait, vous savez. Tu vois, ça a duré 15 tours, mais au tour 10, il savait qu'il avait perdu, genre il s'est dit tant pis, je vais tenter le tout pour le tour. J'ai quand même calculé le tour 21. Parce que, genre, il avait fait une erreur sur le dérive qu'il a posé au tour 9, du coup il avait perdu le tour 10. En fait gros, tu vois, moi je pense qu'en fait ce mec c'est tellement un génie, tu vois. Que en fait dans sa tête il était déjà tour 33 et il avait oublié que tour 15 récupérait le flou, tu vois. Il a fait putain, j'ai vu trop loin, tu vois. Genre... Ah, je me casse la gueule. Ah merde, putain, je me suis embobiné les pinceaux là. Tu vois, ouais. Il était déjà tour 33. Alors, en tout cas, franchement, bon. Je suis en admiration. J'ai jamais vu un mec calculer aussi loin ses tours, tu vois. Ça... Et je pense que, sincèrement, je pense que sur la map, il y avait au moins un piège qui était calculé pour le tour 67. Tu vois, franchement, j'en suis persuadé, tu vois. Mais Franchement, genre, ouais. Juste en fait, t'as chaté parce qu'il s'attendait, il voyait pas le truc comme ça, mais je pense. Ouais. Piège, un tour près, tu te faisais one shot.